7 années de préparation pour 4 minutes 20 de plaisir intense. Le monde a suivi ce saut depuis la stratosphère avec passion. Aujourd'hui, Félix Baumgartner partage ses impressions. On m'avait dit qu'il y aurait une onde de choc. Je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas vu. Ce bang supersonique que l'on crée est en fait derrière nous. Donc lorsque j'ai ouvert mon parachute, je n'étais toujours pas sûr d'avoir franchi le mur du son. Mais quand j'ai atterri, les gens qui étaient au sol m'ont dit qu'ils avaient entendu ce bang. Et là j'ai su, j'étais le seul être humain à avoir créé un bang supersonique. Cet exploit pourrait permettre de faire avancer la recherche médicale en matière aéronautique. Félix Baumgartner, lui, envisage maintenant de travailler comme pilote d'hélicoptère. En 2006, j'ai passé mon brevet d'hélicoptère. Je suis actuellement pilote commercial et je fais tout pour me perfectionner. Dans le futur, je mettrai ces capacités au service du public, en travaillant comme pompier ou en secourant des gens en montagne. Une chose est sûre, le recordman du saut en chute libre n'est pas prêt de regagner la terre ferme. Quand ils atterrissent, beaucoup de pilotes se sentent de retour à la maison. Moi, c'est le contraire, je suis chez moi dans le ciel.